Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une revue spéciale Novex. Novex est une marque brésilienne pour les cheveux curly hair qui est apparue il y a un moment déjà sur le marché réunionnais. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer le distributeur officiel de cette marque à La Réunion qui m'a donné plein de produits capillaire sur Instagram. J'ai eu plusieurs avis, donc il y en a beaucoup qui étaient pour et il y en a qui étaient vraiment contre cette marque. Donc je me suis dit c'était pas mal de faire une vidéo et de vous donner vraiment mon avis objectif et sincère sur les produits capillaires Novex. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que les produits Novex ne sont pas à 99% naturels. Ce ne sont pas des produits naturels, ce sont des produits synthétiques. Il peut y avoir des substances naturelles à l'intérieur, mais pour la majorité du produit, ce sont des produits synthétiques. Quand vous voyez qu'il y a un pot comme ça de 1 kg de produits, vous vous imaginez bien qu'il n'y a pas seulement des produits naturels dans un pot de 1 kg. Sinon, le prix aurait été vraiment astronomique. Malgré que ce sont des produits synthétiques, pour moi, un produit, tant qu'il n'a pas de substances dangereuses pour ma santé et qui fait son job, pourquoi pas? J'aime bien utiliser des produits naturels, mais aussi des produits synthétiques. Donc, pour cette vidéo, je vous ai fait deux catégories. Des produits top et des produits flop de la marque Novex. Pour les classer dans les deux catégories différentes, j'ai essentiellement regardé les composants, les substances dangereuses et non, et ainsi que les rendus. Alors, nous allons commencer par les produits top. On retrouve la gamme Cinéma de Novex. Donc c'est l'une des récentes gammes qu'ils ont sorti avec ce produit qui est une crème coiffante. J'ai eu le volume, la brillance et la définition que je voulais. Donc je valide ce produit. Ensuite, dans la même gamme Cinéma, on retrouve le beurre de karité qui donne une hydratation et une brillance aux cheveux, qui ne contient pas de substances dangereuses pour la santé ou même pour notre cuir chevelu. On continue avec ces deux produits top que j'ai pu tester. Donc je ne parle pas portugais, mais pour traduire, ça protège du soleil, ça hydrate. Et si vous pouvez voir sur les nouveaux packaging de Novex, vous avez ici un petit cadran tout en bas écrit sans sulfate, sans parabène, sans silicone et sans pétrole. Pour ces deux-là, je valide complètement. Ce sont des crèmes coiffantes, voilà, pour redéfinir les boucles la semaine ou même après le shampoing. Ensuite, toujours dans la catégorie top, nous avons la crème de nuit. C'est pour les filles qui, par exemple, font leur shampoing la nuit et qui laissent poser dans leurs cheveux toute la nuit le leave-in conditioner. Donc ça, c'est un leave-in conditioner à poser la nuit. Et là, comme vous pouvez aussi le voir, le nouveau packaging, vous avez ici Taliberado, pétrole, silicone, parabène et sulfate qui sont rayés ici. Donc ce produit ne contient pas de substances dangereuses, il fait son job et je valide à 100%. Et pour finir, le meilleur pour la fin, ce produit que je valide, valide, valide et que je vous le recommande. C'est un 3 en 1 qui lave, qui hydrate, qui on laisse poser comme un masque, qui va venir détendre et démêler nos boucles et qui définit les boucles. Donc on le met au lavage pour démêler, pour le soin, mais aussi pour définir les boucles. Et franchement, lorsqu'on est en vacances, c'est vraiment le produit à emmener avec soi. 3 en 1, on n'a pas à ramener 3 produits différents, c'est vraiment celui-là et il ne contient pas de produits dangereux. Maintenant, nous allons passer à la catégorie flop de la marque Novex. Pour moi, c'était un flop total parce que les composants sont vraiment dangereux pour notre santé, dangereux pour nos cheveux, dangereux pour l'écosystème total. Donc, dans cette catégorie, on retrouve la gamme bambou. Tous les produits de la gamme bambou, que ce soit la crème coiffante, le masque, l'après-shampoing,
toute la gamme bambou ainsi que la gamme Brazilian Keratin et la gamme My Curls, ce sont, je pense, les anciennes gammes de Novex. Et ces anciennes gammes sont faites avec des formules et des substances dangereuses pour la santé. J'ai préféré même pas les tester parce qu'ils contiennent du pétrole et du méthylparabène et plein, mais plein d'autres substances controversées. Donc pour moi, ces produits, ce sont un flop total. Pour conclure, je ne veux pas jeter la pierre à la marque Novex. On voit très bien que les produits flop sont des gammes anciennes et qu'il y a eu quand même une évolution dans la formule et dans les substances qu'ils ont utilisées dans les nouvelles gammes, ainsi que dans le packaging où on peut retrouver sur le packaging sans sulfate, sans silicone, sans parabène. Donc il y a vraiment une envie de changer. Donc moi, je ne vais pas jeter la pierre à la marque Novex. Je vais continuer à utiliser éventuellement les produits Novex, mais les filles, je voulais tirer la sonnette d'alarme pour vous dire, regardez ce que vous utilisez, regardez la liste des ingrédients. Si vous voyez pétrolatum, surtout que sur ce type de produit vous avez aqua, parfum, glycérine, stérol. Pétrolatum, le pétrolatum arrive en quatrième position sur une liste d'ingrédients d'au moins 50 ingrédients. Donc ça veut dire qu'il y a du pétrole comme ça à l'intérieur. Donc c'est vraiment important de regarder les composants de vos produits. Si vous voyez pétrole, méthylparabène, fuyez quoi, n'achetez pas le produit. Dans mes produits top, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de substances dangereuses pour la santé. Le rendu est très bien. Pour les filles de La Réunion, ces produits sont à retrouver à Hyper Center à Saint-Paul. Donc maintenant que vous saviez, que vous êtes informés, regardez bien la liste des ingrédients, la liste des composants de vos produits, car dans la marque Novex, pas tous les produits sont bons à utiliser pour nous, pour notre santé et pour notre cuir chevelu. Je vais mettre en place un concours pour cette vidéo. Je vais faire gagner deux ou une fille, je sais pas, je verrai, des produits top que j'ai sélectionnés, qui ont un très bon rendu, qui n'ont pas des composants dangereux pour notre santé ou pour notre cuir chevelu. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me le dire en commentaire, de me mettre un petit pouce et de vous abonner. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.